formation des membres de l'école de la paix pour renforcer les connaissances, les compétences des jeunes là sur la cohésion sociale et la lutte contre l'extrémisme violent. Donc il s'agira pour nous et les jeunes durant ces 3 jours d'échange là de revisiter en tout cas les concepts d'échanger autour de l'extrémisme violent, les facteurs, d'échanger autour des conflits et aussi tous les mécanismes et outils traditionnels ou modernes de prévention et de gestion et d'aborder les aspects de la cohésion sociale, la dynamique de la cohésion sociale, de vivre ensemble pour garantir la paix. Ce sont des jeunes qui proviennent des structures de jeunesse, donc confessionnelles, comme l'AIMB, pour ce qui est des musulmans, l'AJAR, pour ce qui est de l'église protestante, et l'aumônerie de la jeunesse, pour ce qui est des catholiques. À côté de ça, il y a les jeunes qui viennent des associations de jeunesse, des associations féminines, et des associations de personnes vivant avec un handicap, des personnes déplacées internes et des associations spécifiques. Le projet Gardien de nos valeurs est un projet que l'ARCAN met en place avec l'appui du laboratoire citoyenneté dans le cadre de la DEPAC 3. Le projet GAVAL, donc Gardien de nos valeurs, est un projet de renforcement des capacités des jeunes pour une participation citoyenne plus accrue. C'est un projet de 6 mois qui doit déclarer cette cohorte de jeunes de l'école de la paix là. Donc, on doit pouvoir les déclarer à la fin gardiens de nos valeurs. Gardiens de nos valeurs traditionnelles de démocratie, gardiens de nos valeurs traditionnelles de civisme, gardiens de nos valeurs traditionnelles de citoyenneté pour fonder en tout cas le nouveau citoyen vraiment civique et conscient des enjeux démocratiques de son pays. Je voudrais dire merci aux partenaires. D'abord, la coopération suisse dans le cadre de la DEPAC 3 qui permet à la société civile burkinabè de dérouler un paquet d'activités au profit des communautés, au profit des citoyens qui sont dans un besoin pressant eu égard au contexte actuel. Merci aussi au laboratoire citoyenneté qui à chaque fois ménage tout ce qu'il a comme effort pour accompagner de façon technique nos équipes sur le terrain.